Donc cette étude de l'administration consulaire des Algériens vivant en Tunisie dans les années 1860, soit trois décennies après la capitulation d'Alger, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chronologie algérienne, se situe avant l'adoption du Code de l'indigénat, qui est une législation d'exception de la Troisième République élaborée pour l'Algérie dès 1875, et avant l'occupation de la Tunisie, militaire d'abord, par les armées françaises en 1881, et l'instauration d'un protectorat en 1883. Il s'agit ici donc de s'interroger sur les répercussions dans une régence ottomane, celle de Tunis, de la politique dite du royaume arabe. Cette expérience coloniale inachevée, initiée à partir d'avril 1863 par Napoléon III, a été encadrée politiquement jusqu'à la chute du Second Empire en 1870 par un senatus consulte du 14 juillet 1865 et qui donne la possibilité aux musulmans et aux juifs vivant en Algérie, tous arabophones, de demander la citoyenneté française par une démarche individuelle et volontaire, sous réserve qu'ils acceptent les lois civiles et politiques françaises. Cela ne concerne donc pas, je précise, les Algériens vivant en Tunisie. Au même moment, à Tunis, se pose de façon aiguë la question de la double allégeance des musulmans et des juifs, arabophones donc, j'insiste, à l'empereur des Français ou au bey de Tunis. Cette ambiguïté d'appartenance nationale ou religieuse devait provoquer, en 1875, une grave crise diplomatique entre les deux États, dont les intéressés vont faire les frais par spoliation, exaction des armées, des autorités régionales essentiellement tunisiennes. Mais elle servit d'argument politique, cette crise de 1865, pour rejeter 10 ans plus tard la majorité des Algériens nés en Tunisie dans la catégorie des nationaux, le terme est employé, tunisiens. Donc la notion même de nationalité tunisienne apparaît dès les années 1860 avec les grandes réformes institutionnelles qui crée une première constitution, une municipalité de Tunis, et surtout la volonté des autorités bellicales, c'est-à-dire du bey de Tunis et du gouvernement tunisien, d'aligner, donc d'avoir autorité juridictionnelle sur les régnicoles et les étrangers vivant dans le pays, même les Européens. Dans cette étude, j'essaie de mesurer plus particulièrement le degré d'arabophilie, c'est le terme employé par les diplomates en poste à Tunis, mais surtout de mettre en évidence leurs atermoiements dus au caractère artificiel de l'algérianité, terme inventé par la France, des individus et des groupes tribaux placés sous leur juridiction. C'est une catégorie nationale primitive selon un chercheur qui s'appelle Noureddine Amara et qui devrait soutenir l'année prochaine sa thèse sur la nationalité algérienne sous la direction de Patrick Veil, dénaturée, catégorie nationale dénaturée selon Patrick Veil, puisque, et c'est important que vous le souligniez, les Algériens restent collectivement des sujets et non des citoyens français de droit, car dès 1830, les armées françaises ont accepté le principe que les sujets de l'ancienne régence d'Alger ne seraient pas soumis au code civil français et en matière de droit personnel relèveraient donc des tribunaux religieux, charaïques ou mosaïques pour les musulmans ou pour les juifs. Donc on est dans une période moins d'assimilation, de politique coloniale assimilationniste, que d'une période d'annexion par la force des armes de sujets inégaux. Par ailleurs, le vide juridique en droit international qui caractérise toujours la conquête de l'Algérie, non reconnue par l'État ottoman, par Istanbul, explique la nature fluctuante et restrictive de la protection des Algériens dans les années 60 plus précisément. Dans une thèse de l'École des Chartes soutenue par Juliette Nounès sur les sujets protégés de la régence de Tunis, elle a soutenu ça en 1987,
cette grande conservatrice française précise que la notion ambivalente de protégé sujet est un substitut de la nationalité algérienne sur laquelle l'État français ne veut pas se prononcer. Néanmoins, le statut de ceux qui ont fui la domination française ou qui se sont fixés à l'étranger pour des raisons économiques a été défini par 3 circulaires ministérielles, donc indirectement, rédigées à 35 ans d'intervalle en 1856 et en 1869. Alors, la première circulaire ministérielle qui donc suit la réforme, la circulaire dont on a parlé ce matin de 1833 sur l'organisation consulaire. Selon donc cette circulaire de 1834, tout résident algérien à l'étranger a droit à la protection consulaire, sujet protégé, toujours l'ambiguïté, à l'exclusion des déportés, ils ont été nombreux, des exilés volontaires et de ceux qui, établis ou voyageant dans le Levant à l'époque de l'occupation française, n'annoncent pas l'intention de revenir à Alger. Donc de façon assez étonnante et paradoxale, le fameux esprit de retour dont nous parlions ce matin, qui reste un critère inscrit dans le droit français de la nationalité jusqu'à la loi de 1889, s'applique aux musulmans et aux juifs nés en Algérie. En positif ou en négatif, ce critère est parfois mentionné sur les passeports déposés au consulat, mais il est le plus souvent laissé à l'appréciation du consul général. Donc, au nom de la prédominance exclusive du droit du sol et, dans le cas des Algériens, du droit du domicile, ius domicili, en ce qui concerne donc les migrants ordinaires, ces derniers ont dû faire la preuve de leur qualité d'originaire afin d'obtenir en Algérie un passeport à l'étranger, valable pour le voyage seulement et pour un an, ou pour un an. Ils sont aussi censés, à l'arrivée à Tunis, déposer ce titre officiel au consulat dès leur arrivée et demander une carte de sûreté pour les voyageurs ou une patente de protection pour les résidents, valable 3 ans. Toutefois, rares sont, notamment pour les musulmans, rares sont ceux qui entreprennent cette deuxième démarche, qui est à la fois volontaire et individuelle, car leur nouvelle condition subalterne d'assujettis à une puissance chrétienne, c'est le terme employé à l'époque, est stigmatisée par les autorités ottomanes de Tunisie. Par ailleurs, en tant que musulmans, ils ont une libre circulation dans toutes les provinces de l'Empire et peuvent se fondre dans la population et être protégés par le Bey de Tunis. À cette époque, donc dans les années 30, ceux qui se réclament du consulat n'auraient pas dépassé 120 personnes sur une population de peut-être 1 million d'Algériens qui ont fui la répression et qui va se prolonger, je le rappelle, jusqu'en 1902 pour le Sahara. Mais en réalité, donc, cette majorité d'Algériens expatriés qui a un passeport pour l'étranger ignore l'administration consulaire française et considère que le passeport, voire une carte de sûreté pour des voyageurs qui se seraient établis par la suite, suffira en cas de besoin. En l'absence d'État civil, qui n'est institué en Algérie qu'en 1882 et en Tunisie en 1886, mais qui n'est pas obligatoire, pour la Tunisie, puisqu'il s'agit d'un protectorat, nous relevons que les pièces qu'ils ont dû fournir et qui sont conservées, ce qu'on appelle les pièces justificatives qui sont conservées aux archives consulaires de Nantes, sont une combinaison de preuves écrites et de témoignages oraux. Et dans ces pièces justificatives, on relève l'importance accordée aux déclarations des chirs, des cheikhs, qui sont les chefs des communautés tribales ou des chefs de corporation, de métier essentiellement, et aux actes, mais aussi aux actes notariés musulmans. Donc l'administration française garde comme pièce justificative des documents en langue arabe, qu'ils soient écrits ou issus de déclarations orales. Selon un rapport de 1948 du premier interprète Alphonse Rousseau, la circulaire de 1934 aurait été néanmoins appliquée à Tunis de façon régulière, tant que la province de Constantine, je ne sais pas si vous situez un petit peu, j'aurais dû vous donner une carte, je suis absolument navrée, confuse plutôt,
la province de Constantine, qui est donc la province frontalière, l'Est algérien, qui est la province frontalière de la Tunisie, n'a pas été encore indépendante de l'autorité française. Et elle n'est vraiment réellement soumise qu'après la reddition d'Abdelkader, de l'émir Abdelkader, en décembre 1947. Donc dès 1948, avec l'avènement de la Seconde République française, le problème commence à se poser, les difficultés commencent à se poser, puisque, à nouveau, on assiste à des migrations d'Algériens en direction de la Tunisie, mais pas seulement, de la Syrie, du Maroc, du Levant en général, voire Istanbul. En 1948, toujours sur 2000 administrés du consulat, d'après Alphonse Rousseau, qui est un personnage important, premier interprète du consulat, 87% des administrés français seraient algériens, c'est-à-dire 1750 personnes recensées, immatriculées au consulat. Le reste reste regroupant les résidents français, qui sont 150, mais j'ai pu savoir qu'il y en a beaucoup plus à cette même époque, il peut y avoir le double, mais non recensés par le consulat, et quelques dizaines de protégés romains et grecs. Par ailleurs, ce chiffre ne concerne que des hommes adultes, responsables de leur famille, donc, ou célibataires, souvent issus des grandes tribus, mozabites, je passe, puisque... Néanmoins, on voit que certaines femmes seules viennent et se font inscrire, veuves ou divorcées, se font inscrire avec la caution de l'oukil des Algériens, qui est une fonction traditionnelle dans le monde musulman, qui regroupe les nationaux d'une province ottomane précise. Donc à partir de cette date de 1948, l'administration consulaire est débordée, et en même temps, le consul républicain confie aux deux interprètes, premier et second interprète du consulat, et seul, en poste, la justice de paix des administrés français, dont les Algériens, à savoir 87%, ou la majorité de la population administrée en théorie. Ils ont aussi, l'administration doit lutter contre les fraudes de Tunisiens frontaliers, qui cherchent par de fausses déclarations ou actes de notoriété établis en Algérie à acquérir le statut de protégé français pour bénéficier des privilèges fiscaux, éventuellement d'exemption du service militaire et judiciaire surtout, issus de l'ancienne juridiction capitulaire de l'Empire ottoman. Le consul général de France en Tunisie étant depuis, en gros, 1685, seul maître de ses nationaux. La deuxième circulaire date de 1956, avril 1956 plus précisément, à un moment où une nouvelle vague d'immigration algérienne, par tribu entière, se dirige vers la Tunisie, au fur et à mesure des expéditions punitives et liées aux révoltes des Algériens en Algérie et de l'occupation des principales oasis du sud algérien. Le Second Empire commence donc cette conquête du sud après Constantine. Le nouveau règlement tente d'atténuer en fait la rigueur d'un arrêté du ministère de la Guerre, pris l'année précédente, qui prescrit qu'après 3 ans consécutifs ou plus hors d'Algérie, il sera retiré la qualité de sujet français. Selon cette circulaire, l'exclusion n'aura pas de civil, donc il y a toujours un conflit entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil dans la politique coloniale française en Algérie. L'exclusion n'aura pas de caractère rétrospectif pour les Algériens ayant migré avant 1855. Pour les autres, les 3 années ne courront qu'à partir du moment où ils en seront avisés. Outre d'autres exceptions, laissées à l'appréciation du consulat en fonction de leur position de notable ou de l'intérêt politique à leur accorder la protection. Là, on retrouve un peu les mêmes critères qu'on avait évoqués ce matin. Cette marge d'interprétation tend bien sûr à favoriser les responsables de corporations et de tribus et les grands négociants, qu'ils soient musulmans ou juifs d'ailleurs, le consulat pouvant se référer et se référant au code civil, là encore, et à son article 7 qui précise les conditions de retrait de la nationalité française, qui précise les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été fait sans esprit de retour. Donc tous les négociants
n'ont aucun souci à se faire, les grands négociants, bien sûr, n'ont aucun souci à se faire. Et cette deuxième circulaire demeure en vigueur pendant plus de 10 ans. Cependant, ça, c'est une circulaire ministérielle. Dès 2 ans plus tard, à Tunis, le consul général Léon Roche, qui est un personnage important, ancien interprète militaire en Algérie, un des initiateurs de la politique du royaume arabe, prescrit aux Algériens déjà immatriculés de renouveler leur patente dans un délai de 3 mois. Cette mesure est propre à Tunis, au poste de Tunis, et elle concerne 1200, à cette époque, en 1858, 1276 musulmans et 367 juifs immatriculés, patentés. Donc les juifs représentent à peu près 29% du total à cette date. Il reste de toute façon une faible minorité. Pourquoi Léon Roche fait cette demande de renouvellement, qui donc est très contraignante et restrictive? Elle semble avoir été justifiée par une préoccupation d'ordre financier, toujours, mais aussi administrative vis-à-vis du gouvernement tunisien, qui vient de créer une municipalité, la première du monde arabe, après celle d'Istanbul, le 30 août 1858. Et à ça s'ajoute, dans le même avis, l'idée que le retard pris à déposer un passeport au consulat, qui peut atteindre de 6 à 15 mois, devient un argument pour refuser la protection consulaire. Donc, on est toujours dans une sorte de sentiment qu'il faut restreindre au maximum, dans cette période-là du moins, la possibilité de protéger les Algériens en général vivant en Tunisie. Par ailleurs, dans le même avis, il s'inscrit dans le cadre de la circulaire et il précise que tous les patentés qui sont là depuis plus de 3 ans devront demander une permission spéciale au consul, bien sûr, pour pouvoir rester. Mais comme personne ne fait cette demande, ils sont obligés d'accepter le principe que, collectivement, puisque, faute de pouvoir les rejeter tous dans la non-protection, ils vont continuer à les protéger, du moins pour les patentés. Donc on est dans une politique d'échec pour dénombrer et pour cerner la population des protégés sujets. 4 ans plus tard, donc, le Senatus Consul de 1865 proclame les Arabes d'Algérie sujets français de droit. À cette époque, l'élève consul, qui est le second du consul général en Tunisie, on pourra revenir sur cette division administrative, se contente de classer les résidents algériens en 2 catégories d'origine, ceux qui sont nés en Algérie, dans lequel il comprend tous les célibataires issus des tribus qui sont déclarés par leur chir, sans passer par l'immatriculation proprement dite, et qu'il évalue à 3500 personnes, et les indigènes nés en Algérie, algériens nés en Tunisie, pardon, dans la Régence, oui, qui donc sont pratiquement plus patentés, puisque le consulat a délivré des patentes avec une grande réserve. En 66, j'ai pris plus de retard que je pensais, en 66, le premier interprète Adolphe Fleurat signale qu'il n'y aurait eu que 62 patentes de protection délivrées aux musulmans et 56 entre 59 et 65. Donc on est dans quelque chose de ridicule au niveau des patentés, pour les nouveaux patentés. Mais cette estimation chiffrée a l'avantage de situer un peu mieux dans leur composition sociologique la population des Algériens, qui sont à cette époque autour de 3000, placés sous la juridiction du consulat de France en Tunisie. Selon lui, 43% des patentés seraient inscrits sur les matricules, dont 765 musulmans. Deuxième catégorie, les non-patentés, mais portés sur un registre ou sur une note. Là, il s'agit des célibataires issus des oasis du sud de la province d'Alger ou du sud de la province de Constantine. Et enfin, 2% seraient les non-patentés ni inscrits sur aucun registre, ni note, mais protégés par le consulat sous la responsabilité des chefs de leur GEMA respective. Il s'agit des gens de Ouargla et surtout des Kabyles,
qui ont pris par le passé du service dans l'armée tunisienne. C'est les fameux zouaves, le mot zouawa, qui constituent une garde rapprochée des baies de Tunis de façon traditionnelle. En somme, si on refait le calcul, on se rend compte qu'à cette époque, en 1865, l'essentiel de la population algérienne est née en Tunisie, et qu'elle comprend parmi les administrés du consulat, sont véritablement derrière des chefs de famille, vous arrivez à peu près à 6000 personnes. Et que les familles représenteraient 76% du total. Enfin, c'est un calcul que j'ai fait par moi-même. Donc la troisième circulaire, celle de 69, a cette particularité que le poste de Tunis a joué un rôle important dans son élaboration, à la suite d'une crise qui a eu lieu à l'automne 65, après le Sédatus Consulte, et qui a été qui a pris de court le consulat. Cette circulaire, je précise, rejette toute idée de limitation du durée de séjour à l'étranger, sous réserve que tous les ans, les patentés payent un droit annuel. Voilà. Donc, à partir de là, on est dans quelque chose qui est une protection restrictive et fortement élitiste, du point de vue économique, mais elle ne rejette pas encore, sur le principe, les sujets français algériens nés en Tunisie, comme le feront les républicains de la Troisième République, qui, eux, les forceront à repartir en Algérie s'ils veulent garder la qualité de Français. Et à partir de cette date de 1869, les patentes de protection se transforment en certificats de nationalité. Je vais m'arrêter là, peut-être. Merci d'avoir...